Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité ce soir de nous retrouver autour de sa parole qui est la vérité, sa parole qui nous donne la vie. Nous lui rendons toute la gloire et nous le bénissons. Élevons nos voix ensemble, n'est-ce pas? Rendons grâce au Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta faveur, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te rendons grâce, éternel, notre Dieu, pour ton plan merveilleux. Merci de bénir chaque détail, chaque aspect de nos vies. Merci de glorifier ton nom dans nos vies et de manifester ta gloire. Que l'honneur, la gloire, la majesté ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom, nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. La bénédiction dans le Seigneur. Nous rendons grâce au Père qui nous accorde l'opportunité ce soir de nous retrouver dans ces moments d'études bibliques. Ce moment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur, où nous étudions la parole de Dieu, la parole qui est la source de vie, la parole, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous donne de pouvoir véritablement connaître la volonté de Dieu, la parole qui nous aide à marcher sur le chemin tracé par notre Créateur. Et nous bénissons Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, pour sa parole qui est la vérité. Nous lui rendons toute la gloire pour ça. Donc, nous sommes en train de parler, bien-aimés, ces derniers temps sur la famille. Donc, nous parlons de l'importance de la famille. Combien la famille de le Seigneur est importante. Combien Dieu veut que nos familles, bien-aimés, dans le Seigneur, puissent être stables. C'est la volonté de Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur, que la famille soit stable. Et Dieu veut une famille stable. Dieu veut que ta famille soit stable. Dieu veut que ma famille soit stable. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu que nos familles soient stables. Dieu le veut. La famille. La famille comme étant la maison. Parfois, on dit ceux qui habitent sous un même toit. Hein? Et cette famille, bien-aimée dans le Seigneur, est le fruit du mariage. La famille est le fruit du mariage. C'est pourquoi Dieu, en créant Adam, il a vu que Adam était seul. Il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et Dieu a créé Ève. Et déjà, Dieu dit, multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous. Remplissez la terre. La volonté de Dieu pour le mariage, c'est Dieu qui est l'auteur du mariage d'Adam et Ève.
C'est Dieu qui est le créateur de ce couple. C'est Dieu qui est le créateur de ce mariage-là. Et il leur dit, soyez féconds. Donc, formez la famille. Du couple, on va vers la famille. Donc, la famille, comme je disais tout à l'heure, est issue du mariage d'Adam et Ève, et tous les réduits de l'océan, nous sommes issus de là. Et en lisant la parole de Dieu, nous réalisons que dans la famille, bien-aimée dans le Seigneur, il y a aussi des problèmes qui peuvent arriver dans la famille. Dieu nous a voulu une famille stable, mais à cause du péché d'Adam et Ève, ils ont ouvert la porte à l'instabilité. L'instabilité émotionnelle, l'instabilité sentimentale, l'instabilité due au péché. Voilà, l'instabilité due au péché. Et la peur même. Parce que Dieu est venu vers eux après avoir péché, ils ont dit que nous sommes nus, nous avons eu peur. Voilà pourquoi nous nous sommes cachés. Cette relation qui amenait la stabilité de ce couple devant Dieu, la relation a été brisée. Ils ont ouvert la porte à la peur. Voilà pourquoi Dieu est venu vers eux pour les rassurer. Ils ont trouvé un moyen de se justifier. Ils ont pris, bien aimé, les feuilles de figuier et se sont couverts. Comme pour dire, bien aimé, dans l'océan, l'homme veut trouver sa propre religion. Nous n'avons pas besoin de nous. Voulons nous trouver nous-mêmes notre propre religion. Dieu n'est pas dans la religion. Jésus n'est pas dans la religion. Ils sont le premier bien-aimé de la qui ont commencé la religion, c'est Adam et Ève. Ils se sont couverts eux-mêmes. Un moyen d'atteindre Dieu par eux-mêmes. Quel Dieu vous allez atteindre par vous-même? Impossible. Donc nous voyons, bien-aimé, la source de problème déjà commence par là, dans la famille, le péché. Et la suite, nous voyons, le premier fratricide qu'il y a eu dans le monde, ici le tout premier, c'est lorsque Caïn a tué son frère Abel. Source de tous les parents devaient être choqués, touchés. J'en ai parlé hier, on a prié même à la veillée. Les parents étaient troublés, qu'allez-vous faire? Vous allez, n'est-ce pas, attaquer ou où est-ce que vous allez accuser le fils aîné qui a tué son frère cadet? Faut-il les rejeter? Faut-il ne pas l'aimer? C'est difficile, bien aimé. C'est compliqué de voir les parents dans une telle ambivalence. C'est comme un frère qui tue son propre frère ou une sœur, ainsi de suite. C'est des sentiments bizarres dans la vie des parents, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'allez-vous faire lorsque vous voyez, vous dites, tu as tué ton frère, ou on fait quoi? Une autre personne, on dit, bon, voilà, c'est le bourreau de mon enfant. Mais quand vous regardez maintenant votre propre fils, c'est compliqué à gérer, bien-aimés dans le Seigneur. Difficile à gérer. Mais ce n'était pas le seul source de problème, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème est arrivé aussi, c'est de ça que je vais parler ce soir. Le problème est arrivé aussi, bien-aimé dans le Seigneur, par la polygamie. Dans le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, la polygamie est source de problème. La polygamie ouvre la porte au problème, bien-aimé dans le Seigneur, dans les familles. Et c'est compliqué. Parfois, très compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Comment il faut gérer ça? La polygamie engendre des problèmes. Parce que pour Dieu, le mariage, bien-aimé, est censé être un lien permanent entre un homme et une femme. Et Jésus l'a souligné. Je dis bien, c'est Dieu. Et non Adam qui a dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Bien aimé, dans ces versets, nous voyons clairement comment Dieu établit l'originalité même du mariage selon lui. L'originalité divine du mariage. Le mariage est censé être monogamique. Selon Dieu, bien-aimé, Dieu a institué la monogamie. La monogamie était la norme pour le mariage. Et que donc,
la polygamie, le concubinage, en réalité, était interdit. Interdit. Ben, je dis bien interdit. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bienvenue dans le Seigneur, nous voyons la parole de Dieu est claire. Jésus a répondu à cette question pour lui, que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Dans Matthieu 19, le verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, à l'origine, fit l'homme et la femme. Donc, un homme et une femme. Pas un homme et deux femmes, ou bien la polyandrie. La polygamie, c'est lorsqu'un homme a plusieurs femmes. Plusieurs concubines. Ou la polyandrie, c'est une femme à plusieurs hommes. Ou plusieurs concubins. Au commencement, mais ce n'était pas ça. C'est Dieu qui est le créateur du mariage. Pour Dieu, dans la pensée divine, bien aimé, Dieu a institué la monogamie, le mariage d'un homme et d'une femme. Le verset 18 dit, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, bien aimé, certaines dénominations, certaines personnes qui ont déjà atteint, c'est pas 10 femmes, 17 femmes, il est là avec les femmes tout autour, n'est-ce pas, comme un roi dans son village, hein? Véritable roi télé là avec des jeunes filles, il profite des jeunes filles fraîches. Il prend les jeunes filles d'autrui, n'est-ce pas, pour dire que voilà, il embobine les parents. Voilà, la Bible le dit parce qu'Abraham avait plus, Abraham avait plusieurs voix. Au commencement, Jésus a recadré l'affaire, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus vient recadrer pour dire que l'homme s'attachera à sa femme. Ils vont devenir une seule chair. Donc, les termes sont clairs, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'à l'origine, bien-aimé, pour Dieu, la monogamie était la norme pour le mariage. Je dis bien la monogamie, le mariage d'un homme et d'une femme. Alors quand on voit les gens tourner des raisons, voilà, Abraham avait plusieurs femmes, et ceci, cela, ils ne comprennent pas. On a posé la question à Jésus, c'est clair. Je ne sais pas comment ils interprètent ces versets. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire aux gens pour dérouter les gens de ce verset? Bien dans le Seigneur, selon les modèles originels donnés par Dieu pour l'humanité, le mari et la femme devaient devenir une seule chair. La polygamie n'entrait pas dans le dessein divin. Donc la polygamie était donc interdite, mais au sein de l'Église. Donc le responsable qui doivent être des exemples dans l'Église, bien dans le Seigneur, sont censés avoir une seule femme. Je dis, même dans l'Église, hein, les responsables sont censés avoir une seule femme. Je dis bien, les responsables, les pasteurs et autres, sont censés avoir une seule femme. Bien aimé, j'insiste bien, ils sont censés avoir une seule femme. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand on a 2, 3, 4, 5 femmes, c'est source de problèmes. C'est pourquoi nous sommes en train de parler, bien aimé, la polygamie comme source de problèmes et conduit au péché. Dans l'Église, bien aimé, Paul a recadré l'affaire. Il dit non, vous ne devez pas faire ce que vous voulez. Vous ne devez pas faire ce que vous voulez. Il dit, faites attention. Ne prenez pas plusieurs femmes, ça sera source de problèmes. Et je vous assure, bien dans le Seigneur, parfois on veut faire semblant, mais c'est général. Nous allons voir, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, comment c'est source de problèmes. Hein? C'est vraiment source de problèmes. On veut faire semblant, mais en réalité, ça engendre des problèmes très sérieux. Bien aimé, Dieu n'est pas là pour créer des problèmes là où il est censé pouvoir créer la paix.
1 Timothée 3 nous dit quoi? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Mari d'une seule femme. Je ne sais pas pourquoi, quand les gens lisent ça, qu'est-ce qu'ils disent que l'apôtre Paul pensait à quoi? Il dit bien, mari d'une seule femme, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul recadre les choses dans l'Église. Je vous assure, pour vous dire vrai, c'est pas le seul verset. Hein? Je vous assure, c'est pas le seul verset. Ce n'est pas le seul verset. Vous lisez encore au verset 12. Au verset 12, bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 12, nous lisons, n'est-ce pas? Toujours 1 Timothée 3, le verset 12. Il dit, les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Le verset 2, il dit bien, que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et le verset 12, il dit, les diacres, d'abord l'évêque, et puis les diacres, doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Ils doivent être exemplaires. Il ne faudra pas que dans la famille, ça soit source de problèmes, qu'il y ait des conflits inutiles. Dieu n'en voulait pas, bien-aimé dans le Seigneur. D'où dans l'Église, déjà, le problème de la polygamie a été réglé de cette manière-là. Je dis bien, dans l'Église, hein? C'est bien clair, ça c'est l'apôtre Paul qui le fait. Dans l'Église, il règle le problème de la polygamie. Il dit non, les gens ne doivent pas se comporter comme ils veulent. Les gens ne doivent pas faire comme ils l'entendent. Non, on doit régler cette affaire-là. On doit le régler une fois pour toutes, comme ça c'est bon. C'est connu, c'est fait, ok. À ce moment-là, les choses restent claires. Dans Tite, il le reprend encore, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez dans Tite ce qu'il est en train de dire. Il le reprend. Il arrive dans Tite, bien-aimé. Il dit les choses aussi clairement que ça. Tite, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, le verset. Tite 1, le verset 5 et 6. Tite 1. Alléluia. Ouais. C'est extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez ce qu'il est écrit. Tite 1, le verset 5 et 6. Elle dit, à être retenue chaste, occupée au sein domestique, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, exhorte de même les jeunes gens. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des troubles qui viennent dans les familles, bien-aimées, pourquoi Dieu l'a fait? C'est en harmonie avec le véritable mariage qui sert à représenter, à savoir les relations entre Jésus et son Église, l'unique épouse. Son Église qui est son unique épouse. Jésus n'a pas deux églises, il n'a qu'une seule Église. Regardez bien, Éphésiens 5, 32 nous dit que c'est un mystère. Jésus n'a qu'une seule épouse. Son Église n'a qu'une seule épouse, mais son Église. Elle dit c'est un mystère. Elle dit cela, bien-aimé dans le Seigneur. Elle dit bien que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il dit que ce mystère est grand. Ce mystère est grand, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, ce mystère est grand. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de voir l'Église imiter Christ. Dans sa relation avec Christ. Imiter Christ. Dans sa relation avec Christ, l'Église doit imiter Christ. J'ai dit bien, dans sa relation avec Christ, l'Église doit imiter Christ. Sans plus. L'Église est censée imiter Christ, bien-aimé dans le Seigneur.
Je dis bien, sans plus, l'Église est censée imiter Christ. Mais qui est-ce que nous imitons en prenant deux épouses? Je n'en sais rien. Qui est-ce que nous imitons, mais en prenant deux épouses? Lorsque les gens se marient, il a deux épouses. Vous vous posez la question, mais qui est-ce qu'il est en train d'imiter? C'est un problème, là. Parce que nous sommes censés vraiment respecter la relation de Christ. C'est pourquoi l'homme qui trahit son père et sa mère, l'homme hein, qui trahit son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc l'harmonie, bien-aimée dans le Seigneur, dans le mariage, c'est la même harmonie entre Christ et son unique épouse. Je dis son unique épouse, l'Église. L'unique femme que Jésus possède, l'Église. C'est un mystère. Il compare le mariage par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à la relation entre Christ et l'Église. Donc, une seule épouse. Donc, bien-aimé, la polygamie sans avoir été instituée par Dieu à l'origine, a été toléré jusqu'au temps de l'Église. La polygamie, elle a fait son apparition peu après la transgression d'Adam. C'est là qu'on a vu la polygamie. Et la Bible en fait mention. Lorsque la Bible parle de Lamech, un descendant de Caïn, Lamech le dit clairement, bienvenue dans le Seigneur. La Bible le dit clairement. Regardez ce que Lamech est en train de lire dans Genèse. Genèse 4, le verset 19. Les mecs ou la mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre est Tila. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la mec. C'est la conséquence du péché. Vous voyez, n'est-ce pas? Un descendant de Caïn. Au commencement, Dieu n'avait pas prévu ça. Vous voulez connaître la première personne à vivre la polygamie, les mecs ou la mec. Bien-aimé. Et la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'était un homme et une femme. Ils peuvent encore gérer les choses à la mesure du possible. Mais un homme avec deux femmes, la polygamie est source de problèmes et se termine par les péchés. Et bien, la polygamie est source de problèmes. Et se termine par le péché. La polygamie est sous des problèmes. Mais quelques problèmes. La polygamie, je dis bien, la polygamie est source de problèmes. Et se termine par le péché. C'est pourquoi nous avons même titré notre message. La polygamie comme source de problèmes et de péché. Tu n'en veux pas. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il a fait une mise en garde par rapport à la polygamie. Regardez, juste dans Deutéronome 17, le verset 17, Dieu fait une mise en garde par rapport à la polygamie. Il dit qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Le roi, celui qui devait être roi en Israël, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Pourquoi? Dieu dit. Il appelle Israël. Il dit, lorsque tu seras entre, le verset 14 dit, lorsque tu seras entre, Deutéronome 17, le verset 14, hein, lorsque tu seras dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu auras établi ta demeure, tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourra pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux
et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ces chemins-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son corps ne se détourne point. Voilà, bien aimé. Lorsqu'on a beaucoup de femmes, le cœur, n'est-ce pas, bien aimé, est ballotté. On est instable dans ses émotions, dans ses sentiments. Quand on a plusieurs femmes, Salomon, il en a fait les frais. Nous avons quelques exemples, bien aimé dans le Seigneur. Nous connaissons l'histoire de Jacob. D'abord, Abraham lui-même, notre père. Prenons d'abord l'histoire d'Abraham. Il y a plusieurs exemples. Hein. Abraham lui-même, bien aimé dans le Seigneur. Regardez. Abraham, oh Père Abraham. Père Abraham, alors Sarah et sa femme prit Agar, l'Égyptienne, servante, elle la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Abraham n'a jamais été demandeur, n'est-ce pas, d'une seconde épouse. C'est sa femme, bien aimé, selon la culture de l'époque, n'est-ce pas? La servante pouvait enfanter dans la maison de la maîtresse et l'enfant appartenait, était élevé par la maîtresse. Rappelez-vous de Moïse. Lorsqu'on l'a ramassé, la fille de Pharaon, elle a permis, n'est-ce pas, que Moïse soit nourri par sa propre mère. Et puis à un certain âge, elle était, c'est vrai, elle l'a repris pour l'élever dans le palais royal. Sarah, elle-même, elle pousse son mari à avoir une seconde femme. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé qu'elle n'avait pas d'enfant. C'était une solution pour qu'elle ait un enfant, selon la culture ambiante de l'environnement dans lequel il vivait. Et Abraham a accepté. Abraham accepte la polygamie. Abraham n'a jamais été, bien aimé, demandeur de la polygamie. Non. Plusieurs années ont vécu ensemble. Jamais Abraham, n'est-ce pas, a été poussé à poser un tel acte. C'est Sarah, sa propre femme. Alors, ce qui se passe, le verset 4, il alla vers Agar, elle devait enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Voilà, c'est le problème de la polygamie. On a un même mari. Même si je suis ta fille, mais je commence à te mépriser, toi, la mère. Il y a des hommes qui ont épousé, n'est-ce pas, le père et la mère et la fille. Hein? Ah oui, j'en connais. Il prend la mère, il prend la fille. L'argent amène les gens, bien-aimés dans le Seigneur, à beaucoup d'idiotie. Et à un manque, bien-aimé, de sagesse et d'élégance quelque part. Quelle est la joie de voir, tu prends sa mère, la maman et tu prends la fille. Et les deux savent, bien-aimés dans le Seigneur, que cet homme est leur mari. Mais regardez un peu, la servante, bien aimée, là, celle qui respectait patronne pour s'approcher, patronne, elle s'agenouille. Mais dès lors qu'ils ont commencé à avoir la même source de plaisir, c'était fini. C'était fini. Dès lors qu'elle s'est vue enceinte, elle a regardé sa maîtresse avec mépris. Voilà. Abraham, tu vas payer. Bien aimé, je passe au verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptien, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante de son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Là, elle a eu l'enfant, bien aimé, au chapitre 21, le verset 9. Elle a eu l'enfant, c'est vrai, l'enfant de la promesse, Isaac. Et là, mais malgré cela, il y a toujours cette moquerie dit non, trop c'est trop. Mais pourtant, c'est elle qui est à la base. Où est le problème de la polygamie? Mais pourtant, cette fille-là devait quand même lui être reconnaissante pour dire si j'ai même un enfant avec mon maître, c'est à cause de cette femme ici. Mais la polygamie, bien-aimée, est source de problèmes. L'adultère est source de problèmes. Il y a des femmes qui sont sincères et honnêtes envers leurs époux, bien-aimés dans le Seigneur, mais ne savent pas qu'elles ont des ennemis dehors, là où le mari, n'est-ce pas, va trouver les concubines. Là où le mari va faire l'adultère, elles ne sont pas conscientes, elles sont tranquilles à la maison, avec les enfants, les élevant correctement, mais en guillemets, elle a des ennemis dehors. Des gens qui la méprisent,
des gens qui souhaitent sa mort, des gens parfois qui parlent mal d'elle. Elle n'est pas au courant. Mais l'homme de le Seigneur, il va créer des problèmes inutiles. Mais la polygamie est source de problèmes. Ça, c'est au niveau des femmes d'abord. La jalousie. On va supporter, hein. Dieu dit, Abraham, chasse-la. Mais cette parole-là des plus fort aux yeux d'Abraham, hein, à cause de son fils. Mais Dieu dit, Abraham, tu la chasses. Abraham a eu des problèmes, bien aimé dans le Seigneur, avec Sarah, à cause de qui? À cause de la servante. Il était déjà devenu polygame sans le vouloir. La Mecque l'a voulu, Genèse 4. Mais Abraham n'a jamais voulu être polygame. Il se retrouve être polygame. Par une situation qui était là, bon ben, il s'est laissé entraîner dans cette affaire. Genèse 24, le verset 11. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons Jacob. Jacob également, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob se retrouve avec deux femmes. Sans le vouloir, il a été roulé, il a été manipulé, trompé par son beau-père. Il n'a jamais souhaité, bien-aimé dans le Seigneur, être polygame. Mais laissez-moi vous dire qu'il se retrouve dans la polygamie sans le vouloir. Il se retrouve dans la polygamie sans le vouloir, bien-aimé dans le Seigneur. Waouh! C'est compliqué, hein? Mais je vous assure, c'est quand même compliqué. Ah oui! La vie des hommes est très compliquée, bien-aimé dans le Seigneur. La nature humaine, hein? Il y a des choses que tu peux ne pas vouloir dans la vie, mais on te force. Tu es forcé de le faire. Mais tu n'as jamais voulu ça. Je dis bien, tu n'as jamais voulu ça. Mais tu es obligé de le faire. Je dis bien, tu es obligé de le faire. Ça n'a jamais été ta volonté. Tu ne veux même pas le faire d'ailleurs. Tu ne veux pas le faire. Mais on t'impose de le faire. Waouh! Seigneur, moi, je n'ai pas envie de commettre ce genre de situation. Mais pourquoi ça, tu me pousses? Ce n'est pas le Seigneur. Il y a des gens parfois qui sont margoulins. Laban, bien-aimé, a été margoulin. Je dis bien, Laban a été margoulin. Un margoulin comme Laban, il n'y en a pas deux, hein? Je vous assure. Il n'y en a pas deux. Il a roulé Jacob. Et Jacob ne pouvait rien dire. Il se retrouve devenu dans un guet-apens, comme on dit. Que faire face à une telle situation? Il était complètement perdu. Mais la situation, elle est là. Tu dois l'accepter. Ben, il était censé pouvoir l'accepter. Ben, il l'a pris comme tel. Mais ça a été sous des problèmes, bien-aimé dans le Seigneur. Sous des problèmes, pourquoi? Parce qu'on a affaire à deux sœurs. Et non seulement les deux sœurs, mais on en ajoute même des servantes. Vous imaginez, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Même des servantes. C'est compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à pouvoir prier pour dans nos familles, là où il y a eu la polygamie, bien-aimé dans le Seigneur, ça engendre de problèmes. Dans les familles, là où il y a eu la polygamie, nous devons prier, bien-aimé, pour que Dieu guérisse les cœurs. Il y en a qui en souffrent énormément. Si Dieu ne guérit pas les cœurs, je vous assure, bien-aimé, c'est compliqué.
beaucoup prié. Seigneur, guéris les cœurs. Seigneur, guéris les cœurs. Seigneur, guéris les cœurs. Autant de souffrances, bien évidemment. Je dis bien autant de souffrances dans toutes ces familles-là. À cause de quoi, bien évidemment, le Seigneur? La polygamie. Autant de souffrances. Jacob. Jacob, fiancé, il acheva la semaine avec Léa. Là, le jour du mariage, il se retourne le matin. Mais ce n'était pas Rachel. Il dit, mais beau-père, mais tu m'as roulé, quoi. Beau-père dit, oh non, tu vois, ici, c'est la culture, c'est la coutume. Tu ne peux pas épouser la cadette avant l'aîné. Ben, écoute, mais attends, moi, je n'ai pas aimé l'aîné. Moi, j'ai aimé la cadette. Il dit, bon, écoute, si c'est comme ça, ben, on s'arrange. Tu vas me payer encore la dot. Tu travailles encore cette année, ben, je vais te donner la cadette si tu l'aimes. Mais en même temps, bon, l'aîné est déjà là, hein. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel. Cette année, bien évidemment, le Seigneur. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Et le verset 30, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant cette année nouvelle. Chez Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Dieu pour régler cette affaire-là, parce que Léa est victime aussi. Léa n'a jamais voulu, n'a jamais dit que non, voilà, moi que cet homme puisse m'épouser. C'est le papa qui la force. Elle se retrouve aussi dans un mariage polygame sans le vouloir. C'est comme des jeunes filles bien-aimées que tous ces hommes-là, entre guillemets, hommes de Dieu, qui épousent en disant que voilà, il est écrit dans la parole de Dieu, Abraham avait plusieurs femmes et consorts, Jacob avait plusieurs femmes. Ils profitent. Ils ne savent pas que Jacob aimait Rachel, mais Léa lui a été donnée. Et il a été forcé, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le ciel, par les femmes. Les femmes ont détourné le cœur, dit, prends ma servante. Il a pris la servante. Prends ma servante. Il prend la... On devient, bien-aimé, comme un jouet, n'est-ce pas, bien. Il devient comme un jouet. Donc, ce sont les femmes qui te poussent. Et, ce soir, ici, tu vas dormir avec ma servante. Hein. C'est pourquoi, dans Deutéronome 17, Dieu dit, il faut faire attention que le roi que vous choisissez, si vous choisirez parmi vous, qui n'ait pas un grand nombre de femmes, parce qu'on détournera son cœur. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, la polygamie est source de problèmes. Dans la famille, bien-aimé, il y a eu maintenant la rivalité dans cette famille de Jacob. Il y a eu la rivalité, vous connaissez la suite. Les deux sœurs, c'était la rivalité. Prends la servante, l'autre aussi la servante, et dit c'était vraiment la rivalité, il fallait avoir les enfants, la rivalité, la jalousie. Et c'est descendu sur les enfants. Joseph a été victime. Pourquoi déjà le favoritisme dans la famille? Jacob aimait beaucoup plus que Joseph. Pourquoi? Parce que pour lui, son aîné, c'est Joseph, parce que c'est le fils de Rachel, l'aîné de Rachel. Vous lisez même dans la parole de Dieu quelque part, il est écrit clairement qu'il avait plusieurs enfants. Mais l'aîné, pour lui, c'est Joseph. Ah oui, bien évidemment, le Seigneur. C'est compliqué, mais bon, c'est parfois la réalité. Et nous devons faire très attention, bien aimé. Très attention. Il avait plusieurs enfants, mais l'aîné. Je vais vous donner Genèse 37. Genèse 37, hein. Le verset 2, j'ai toujours réfléchi et me dit, mais la parole de Dieu n'écrit pas des choses de manière à vouloir nous embrouiller ou nous embêter, si je peux le dire ainsi. Mais la particularité, c'est de voir que
Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons clairement, la Bible nous dit que voici la postérité de Genèse 37, le verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait peut-être. Est-ce que la postérité de Jacob, c'est Joseph? C'est toute la descendance, mais on dit Joseph, âgé de 17 ans. Faisait paître le troupeau de ses frères. Cet enfant était auprès des filles de Bila et les filles de Zilpa, femmes de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Regardez le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il n'y avait pas que lui, il n'y avait pas que Joseph, il y avait Benjamin aussi. Mais ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. La polygamie, bienvenue, est source de problèmes. Nous devons beaucoup prier. Hein. Dans les familles là où il y a eu la polygamie, c'est pourquoi même l'adultère, Dieu ne permet pas l'adultère. Hein. Regardons un peu, bienvenue dans le Seigneur, dans la famille d'Elkana. Il y avait un homme de Ramatsaïm et Tsofim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils de Liou, fils de Toï, fils de Tsouf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Mais la Bible nous montre que Elkana aimait Anne plus que les 10 enfants de Pénina, que Pénina et ses 10 enfants. Vous imaginez un peu bien. Il aimait Anne plus que Pénina et ses 10 enfants. Pouf! Mais comment est-ce que ces enfants peuvent sentir lorsqu'ils voient que, n'est-ce pas, le papa aime tellement la femme? Et pire encore, quand ils allaient venir dans le Seigneur pour aller célébrer la fête, il donnait une double portion à Anne. On est censé donner double portion à celle qui a les enfants, parce que c'est elle, normalement, bienvenue dans le Seigneur, qui nous a donné les enfants, qui nous a fait une famille. Mais Elkana, lui, il donnait double portion à Anne. Il dit, Anne, je veux pour toi plus que 10 enfants. Waouh! Qu'est-ce que Pénina pouvait ressentir? Voilà pourquoi Pénina l'a mortifiée. Qu'est-ce que les enfants de Pénina pouvaient sentir, bien-aimés, dans leur cœur? Le rejet, la trahison de leur père. Ils voient comment leur père, bien-aimé, est en train de narguer leur mère. En lui montrant qu'écoute, toi, ce n'est pas ce qu'on a fait des enfants avec toi. Mais en réalité, c'est Anne que j'aime. Toi, tu n'es là que pour les enfants, point barre. Mais mon amour, c'est envers Anne. Donc, tu es une mère porteuse. Bien-aimé, la polygamie est source de la jalousie. La polygamie est source des troubles. La polygamie est source de la haine. La polygamie est source du rejet. La polygamie est source de la déception. La polygamie est source de l'injustice. La polygamie est source de favoritisme. L'injustice. Bref, la polygamie est source de blessures de l'âme. De l'instabilité dans la famille. La polygamie. Les enfants se haïssent. Les enfants de telle mère et telle, ils se haïssent. Les enfants, parfois, ne s'aiment pas. L'injustice d'abord entre leurs femmes. Les femmes descendent sur les enfants, influencent leurs enfants d'une certaine manière. Il y a de la haine, il y a de l'injustice. Les femmes, elles-mêmes, elles se haïssent. Elles se jalousent, elles se rejettent. Et ça descend sur les enfants. C'est pourquoi, bienvenue dans le Seigneur, même dans la loi,
dans Deutéronome 17, comme nous avons lu tout à l'heure ici, Dieu ne n'en voulait pas du tout. Et dans Lévitique 18, 20, il dit, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te suivre avec elle. L'adultère, ça veut dire que tu ne prendras pas d'autres femmes. Revoyons, cette norme, bien-aimé, a été établie dans l'Église. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous sommes censés prier pour nos familles. Dans les familles là où il y a eu la polygamie. Regardez un peu ce qui s'est passé avec le roi Salomon. Salomon est tombé, bien-aimé, dans le péché. Salomon est tombé dans le péché. Un roi, onze. Salomon est tombé dans le péché, bien-aimé, dans le Seigneur. Un roi 11 à partir du verset 1. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible nous dit que Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, Moabite, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Hétiens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Bien-aimé, entraîné par l'amour. On dit bien, Salomon était entraîné par l'amour. Waouh! Salomon entraîné par l'amour. Il s'est attaché à cette femme-là, à ces femmes, entraîné par l'amour. Mais pour Dieu, ce n'était pas ça. Dieu n'en voulait pas. Et si vous lisez la parole des bénédictions du Seigneur, regardez bien. Puis encore. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Donc, ces princesses-là, c'est des enfants, n'est-ce pas? Parfois, peut-être, je me dis, peut-être, il n'y avait pas 1000 rois. Donc, il a pris les enfants de rois, n'est-ce pas? Bien-aimés, les filles de rois. Et parfois, il en prenait autant dans des familles. 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Voilà le problème. Les problèmes de la polygamie. Voilà pourquoi Dieu avait dit dans Deutéronome 17, évitez, n'est-ce pas, de prendre plusieurs femmes. Elles tourneraient vos cœurs, qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point. C'est arrivé à Salomon. Pour dire, mais la parole de Dieu, elle est véritable, elle est réelle. 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Bien aimé, nous avons la responsabilité autour de nous de ne pas nous laisser entraîner pas dans cette aventure-là. D'avoir plusieurs femmes, entre guillemets, officiellement. Il y a des cultures là où tu peux avoir deux femmes, trois femmes, quatre femmes, hein. C'est culturel, mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Même les Juifs, Dieu avait dit au commencement, elle n'était pas. Jésus leur a dit, hein, au commencement, elle n'était pas ainsi. Donc la norme que Dieu a établie, n'est-ce pas, c'est la monogamie, ce n'est pas la polygamie. Parce que Dieu ne veut pas que les cœurs des hommes soient instables. Dans d'autres cultures, il y a aussi la polyandrie. Ça veut dire que la femme a plusieurs hommes. C'est comme une prostituée aussi. Bien-aimé, Dieu ne voulait pas que des situations pareilles, n'est-ce pas, déstabilisent les familles. Dieu, c'est un Dieu qui veut la paix dans la famille, qui veut la stabilité dans la famille. La stabilité, surtout la stabilité émotionnelle, la stabilité sentimentale, la stabilité spirituelle. Dans une des langues de la République démocratique du Congo, on dit, prends plusieurs femmes, tu connaîtras ce que c'est la mort prématurée. Mais nous avons la responsabilité de prier pour tous ces enfants, ceux-là qui ont vécu dans des familles polygames. Il y en a qui s'en sont sortis avec des blessures. Blessé, bien-aimé, le rejet, l'abandon, la déception, l'injustice, parfois c'est les enfants de la première femme, bien-aimé, dans le Seigneur, n'est-ce pas, eux, quand ils demandent, bien-aimé, l'homme est là pour tout donner, parce que ce sont les enfants de la première. Mais les autres,
Il faut que leur mère se batte, crie. Mais les enfants de la première, tout leur est donné. Dites-moi cela, est-ce qu'ils ne sont pas les enfants de cet homme-là? Ce sont ses enfants. Mais ils sont blessés. Déception. Injustice. Un sentiment de rejet, d'abandon. Tout ça, bien-aimé. Et c'est, nous en avons beaucoup dans nos églises. Hein. Nous avons des gens qui souffrent de ça. Ou vous avez quelqu'un qui est irritable, quelqu'un qui, d'une certaine manière, vous ne vous rendez pas compte, bien-aimé, dans le Seigneur, que c'est quelqu'un qui a été blessé. Bien-aimé, vous ne vous rendez pas compte, c'est quelqu'un qui a été blessé. Il y a des gens qui sont blessés, mais nous avons, l'Église a la responsabilité de prier, bien aimé, pour toutes ces personnes blessées, issues, bien aimé, des familles, là où il y a mis, pour entrer dans une famille, n'est-ce pas, où l'homme, la maman va quitter. Ne supportez pas, bien aimé, dans le Seigneur, la polygamie. Elle prend ses enfants, elle part avec ses enfants. Elle va tomber entre les bras, peut-être, d'un autre homme. Et cet homme, bien aimé, dans le Seigneur, il profite, il commence, bien aimé, à chipoter les enfants. Il y a l'inceste parfois. Et dans ces familles, parfois, il y a l'inceste aussi. Il ne faut pas nous rendre compte comment la polygamie, n'est-ce pas, détruit beaucoup de familles. La polygamie a beaucoup de problèmes conduits au péché comme Salomon, bien aimé dans le Seigneur. Salomon va permettre, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, que regardez le verset 4. On dit bien, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur. C'est bien dit, hein? À l'époque de sa vieillesse, ces femmes inclinèrent son cœur. Ça, c'est le verset 4 de 1 roi 11. Il dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Ils inclinent le cœur, bien dans le Seigneur. Le verset 5 nous dit quoi, bien dans le Seigneur? Salomon alla après Astarté, divinité de Sidoné, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme à qui Dieu l'a assez révélé. Cet homme à qui Dieu a donné l'intelligence comme personne n'a été intelligent sur la terre des hommes. Cet homme à qui Dieu a donné la gloire comme personne n'aura jamais la gloire, n'est-ce pas, bien-aimé, de Salomon sur la terre des hommes. Mais incliné, n'est-ce pas, vers les divinités, à cause de ses amourettes, à cause de la polygamie. Blessure des cœurs. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu restaure les cœurs. C'est l'année de la restauration de nos familles, n'est-ce pas? Nous allons prier pour le Seigneur. Restaure les familles là où il y a eu la polygamie. Seigneur, c'est pourquoi même dans la Bible, il dit, n'est-ce pas, bien-aimé, les enfants qui sont issus de la polygamie n'entreront pas jusqu'à 10 générations dans la maison de l'Éternel, jusqu'à 10 générations. Vous imaginez, bien-aimé, jusqu'à 10 générations. Je dis bien 10 générations. Les enfants qui sont issus de la polygamie. Mais nous avons, bien-aimé, lorsque nous sommes issus de la polygamie et que nous avons accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, eh bien, nous n'avons pas à hésiter, n'est-ce pas, nous avons un Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, un Dieu fidèle, hein? Jusqu'à 10 générations. Vous imaginez? 10 générations. C'est compliqué, hein? Donc nous allons prier, bien-aimé, Seigneur, viens et guéris le cœur. Restaure les cœurs dans les familles là où il y a eu la polygamie. Restaure.
restaure les blessures. Ce soir, nous prions bien pour la restauration des blessures dans toutes ces familles-là où il y a la polygamie. Mais nous allons d'abord élever le roi pour le Seigneur notre Dieu. Restaure les cœurs. Parfois, les parents ne sont plus là. Mais les enfants restent, surtout parfois quand les parents ne sont plus là. Les enfants restent, n'est-ce pas, venus de le Seigneur. Ah oui, ils commencent à en souffrir. Rappelez-vous de Joseph. Lorsque le frère de Joseph, ils ont vu que leur père était décédé, ils sont allés devant Joseph. Joseph, ne nous fais pas de mal. Ne nous fais pas de mal. Il n'avait pas la même mère. Hein? Il dit maintenant, comme le père qui pouvait parler en notre faveur est mort, s'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Ne nous fais pas du mal, s'il te plaît. Joseph a dit non, 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 non. Dieu a permis que cela arrive pour que vous ayez la vie sauve à travers de moi. Donc, je n'ai pas de haine envers vous. Vous voyez, bien, la vengeance, il dit non, non. Il y en a qui se vengent. Ça veut dire quoi? Lorsque, alléluia, on vivait dans la même parcelle, c'est à vous que le Père donnait tout. Non, on ne donnait rien. Maintenant, aujourd'hui, ah, la chance m'a souri dans la vie. Je sais qu'il faut. Tu vas voir. C'est mon tour, au milieu, mon tour à moi de me venger maintenant. Notre Père n'est plus. Je vais me venger. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est votre frère, c'est votre sang, c'est votre soeur, c'est votre sang. C'est rien de vous venger. C'est votre sang. S'il y a pardonné, pardonne, c'est votre sang. Joseph a dit, non, non, je ne vous ferai pas du mal. Vous êtes mes frères. Non, non. Loin de moi. Je suis en position de vous faire du mal, c'est vrai. Mais je ne le ferai pas. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous m'avez fait du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Prions pour les cœurs, bien-aimés. Que Dieu guérisse les cœurs. Je dis bien que Dieu guérisse les cœurs. Dans les familles là où il y a eu la polygamie, mais que Dieu guérisse les cœurs. Seigneur, restaure les cœurs blessés. Restaure les femmes qui ont été victimes. Il y a des femmes, bien-aimées, qui ont été victimes de la polygamie. Ce n'est pas parce qu'elles ont voulu se marier. Hein. On les a forcées par la famille. Oh, cet homme-là a de l'argent. Il te prend pour troisième femme. Les parents disent, oh, nous voulons de l'argent. Donne-nous la dot. Donne-nous la dot. Donc, c'est comme si on l'a vendu même comme une marchandise. Elle n'a jamais souhaité dans une femme. Nous devons être indulgents. Nous voyons certaines personnes se retrouver dans la polygamie. Ce n'est pas parce qu'elles ont voulu. Comme Léa. Léa n'a jamais voulu. Rachel n'a jamais voulu. Agar, la femme qui a fait l'enfant, n'est-ce pas, Ismaël avec Abraham, n'a jamais voulu cela. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont devenus, n'est-ce pas, bien-aimés, qui se sont laissés, bien-aimés, dans le Seigneur, épousés par des polygames. Parce que, à cause de l'influence parfois de leur famille. Bien-aimés, ce sont des femmes blessées dès le départ. Mais là, si toi, tu vas la rejeter, ah, son mari, il a plusieurs femmes, c'est là, elle est polygame, celle-ci, dans l'église, ah, il faut faire attention, elle est polygame. Bien-aimés, devons être indulgents. Prions pour tous ces cœurs-là, que Dieu guérisse les cœurs, que Dieu restaure les cœurs de toutes ces femmes, de tous ces enfants, bien-aimés. Bon, il y a des familles aussi, entre guillemets, bon, ça a l'air d'aller, hein. Mais ça a l'air d'aller, mais laissez-moi vous dire que Dieu ne se trompe jamais. La polygamie est généralement sous des problèmes. Bon, il y a des familles là aussi, il n'y a pas de polygamie, mais bon, c'est la bagarre, hein. Lorsque Caïn a tué Abel, ce n'était pas à cause de la polygamie. Voilà. Mais bon, les cœurs de l'homme restent les cœurs de l'homme. Mais tout ce que nous savons, c'est que, en général, la polygamie est source de problèmes. Donc, nous allons bien aimer prier pour que Dieu guérisse, restaure les cœurs, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont issus des familles polygames. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien aimé. Prions, n'est-ce pas, prions, bien aimé. Prions pour toutes ces femmes, prions pour tous ces enfants, bien aimé. Il y a des hommes aussi, bien aimé, qui se sont mariés parce que, bien aimé, dans le Seigneur, c'est la culture, c'est comme ça, c'est la coutume. Bien aimé, prions que Dieu guérisse et restaure les cœurs. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci de guérir, de restaurer les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire, notre Seigneur, notre Dieu. Guéris, tendre Père, les cœurs de tous ceux qui sont issus des familles polygames. Guéris et restaure les cœurs. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour la restauration des cœurs. Merci pour la guérison des cœurs. Guéris les blessures, tendre Père. L'injustice, la jalousie. Guéris, tendre Père, l'abandon, le rejet. Notre Seigneur, notre Dieu, guéris, s'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour la guérison, grand roi de l'univers.
Seigneur, merci pour la guérison des cœurs, la restauration de cœurs blessés, la restauration de cœurs brisés. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Tendre Père, guéris toutes ces femmes qui ont été victimes, qui se sont retrouvées dans des mariages polygames sans le vouloir. Guéris, tendre Père, ces enfants qui sont issus, éternel notre Dieu, des mariages polygames, qui ne l'ont pas voulu, tendre Père. Guéris, tendre Père, aussi tous ces hommes qui n'ont jamais voulu, mais ils ont été piégés par la culture, par la coutume, mais dans leur cœur, il n'en était pas ainsi. Seigneur notre Dieu, merci de toucher les cœurs, de restaurer les cœurs, tendre Père. Merci de restaurer, de guérir les blessures. Que la gloire te revienne au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Bienvenue dans le Seigneur, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Voilà, c'est l'étude biblique aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de notre étude biblique. N'oubliez pas, bienvenue dans le Seigneur, les comptes est en train de circuler, les comptes IBAN. Donc, BE06-89-08-19-99-13. C'est ça, les comptes de l'Église. C'est le jour de l'étude biblique. Apportez votre offrande à partir de votre banque contact. C'est possible. Que le Seigneur nous bénisse. Et on se voit bientôt à la veillée. Soyez bénis. Merci. Amen. Que Dieu bénisse. À bientôt.